Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prison Architect, chers amis. Donc, nous sommes prêts, nous sommes dispo, nous sommes à fond. Nous allons essayer quand même de faire un petit peu de personnes de former en tout cas. Ce sera ici programme, vous voyez, donc on a un truc en cours. Je ne sais pas si ça veut dire que cette personne est formée ou pas. Je t'ouvre la porte en tout cas. Merci de faire en tout cas l'effort de venir. Crac. Eux, on peut peut-être les ramener. Enfin, les supprimer. Crac. Merci. Merci d'être venu. Au niveau du personnel, peut-être des gardiens armés, on peut pas en avoir. Non, on peut pas encore en avoir. Ok. Voilà, 100 gardiens pour 125 personnes. 4. 4. Hop. Ok, on va rester là-dessus pour le moment. D'ailleurs, en parlant de ça. Ok. Voilà. Fondation en cours de construction, parfait, c'est construit. Ok, cool. Objet. Démonter objet. Ok. Voilà. Allons-y. Hop. Pour l'instant, on va aller jusqu'au bout. J'irai au bout de tes rêves. Tout au bout de tes rêves. Donc ici, tout est bon, tout est parfait, tout est bien. Ok. Bon. En soi, c'est pas si mal. Ok. Ok. Bon, du coup, ici, moi j'aimerais construire, chers amis. Crac, une double pièce. Ok, ça me semble pas trop mal. J'aimerais aussi qu'on démonte cet objet là. Allez, merde, du coup faut que je sois dans le menu, mais que je n'y sois pas mal positionné. Ok, et qu'on vienne la reposer ici. Excusez-moi. Ah, c'est chiant. Hop. J'aimerais qu'ici, ce soit une salle de cours. Même pas. Même pas. Je pense qu'on va faire encore mieux que ça. Salle de classe, pour que ce soit minimum 5 par 5. Voilà. Salle de courrier, minimum 5 par 5. Voilà. Et on va commencer par ça. Hop. C'est pas ça que je voulais. Crac. Allons-y. Il me faut un pupitre et un bureau. Pupitre, pupitre. Alors bureau déjà de base. Hop. Crac. Ah, le bureau déjà, pardon. Voilà, ici il va me falloir
un bureau de classement et une table. Bureau de classement et une table. Tombe bien, j'en avais une là. Hop, voilà. Ok. Toutes les cours doivent avoir une cabine téléphonique. Objet. Ok. On va déjà voir ça. Ok, pourquoi quand il y a de la bouffe, tout le monde se met en colère en fait? Ah non, c'est les cellules d'attente, mais pourquoi ils attribuent pas des cellules aux gens? Pourquoi les cellules d'attente, elles sont pleines à craquer? Ah, ça c'est violent ça. J'aimerais comprendre pourquoi. Ah, est-ce qu'ils sont, elles sont bien identifiées comme étant des cellules, on est d'accord? Bah oui. Bah alors pourquoi? Pourquoi ça veut pas y aller? C'est bizarre. Bizarre. Toutes les cours, bah c'est bon, j'en ai déjà. Oh putain, il va falloir plus. Il va nous falloir plus de cabines téléphoniques. Est-ce que ça vous va comme ça, les filles? Hop. C'est parti. Hop. Est-ce que niveau cabine téléphonique, on est bon ou pas? J'aimerais comprendre pourquoi j'en ai autant en cellule d'attente. C'est fou. Faire travailler des prisonniers à la salle du courrier. Ok, pourquoi pas. Ok. Voilà. Il n'y avait pas aussi engagé un professeur ou un truc comme ça? Non? Ah bon. Nouveau parloir. Offrir le programme de formation scolaire pour débutants. Formation scolaire pour débutants. Voilà, parfait. Hop. Crac. Ah pourquoi on en a pas ce truc-là? C'est bizarre. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de temps de travail ou un truc comme ça? Tâche, non, besoin, régime, régime, voilà, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Bizarre. Ok, bizarre. Est-ce qu'ils ont un temps de douche au fait ou pas? Peut-être pas assez de douche. En termes d'hygiène, c'est pas top. En termes de cours. Crac. Hop, voilà. On verra bien si c'est mieux comme ça. Crac. Cabine téléphonique à toutes les cours. Je l'ai fait. Pourquoi ils veulent pas les... Non! Je vais avoir oublié une cour quelque part, alors, j'imagine. Ah oui, ici, d'accord. Cabine téléphonique. Voilà. Hop, ça devrait être bon. Logistique, remplir maximum de 66% de fait, d'accord. On n'est pas trop trop mauvais. Peut-être
Des cabines téléphoniques, c'est bon. Ça, c'est cool. Ok. Construire un nouveau parloir. Déjà, on va commencer par autre chose. Non, on va construire le parloir en premier, d'abord. Le parloir. Comment je vais le construire? On va bien voir, c'est pas grave. On va faire avec. Comment il est construit? Il faut que je vérifie quand même un truc. Ok. Je sais comment je vais le faire. Regardez. Hop. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh! Apparemment, j'ai pas le droit d'y toucher. Le problème, c'est que. Si, attendez. Attendez. Bah non, même pas. Comment je vais refaire ce truc-là? Vous voyez, en fait, ici, il y a un. Il y a un portail. Alors attendez. Objet. Porte d'isolement, grande fenêtre, portail routier. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le portail routier. Détecteur de métaux, non. Porte d'isolement, non. Porte, non. Fenêtre, grande fenêtre, non. À distance, portail routier, donc non, il n'y a pas ce que je. Mais moi, c'est ça que j'aimerais récupérer, c'est quoi ça? Ah, moi, attendez, on va essayer un truc. Ok. Ok, je l'ai, c'est bon. Matériaux. Ok. Ok. Salle d'attente. Il craque? Non? Voilà, on va bien voir. Allez-y, roulez, faites ce que vous avez à faire, les mecs. La chapelle. La chapelle. Voilà. Crac. Offrir le programme guidance spirituelle. Guidance spirituelle, what the fuck? Réussite. C'est triste. Voilà. Vous voulez pas travailler, les gens? Vous êtes naze?
Pourquoi il y a autant de gens là-dedans? J'ai des cellules ici! Qu'est-ce qui va pas avec ces cellules? J'ai 125 cellules! Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas aller les... Je comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. En train de mourir, moi. Ça va plus. Merde. Crac. Ok. Par contre, là, il y a un problème, là, l'ami. Hop. Ok. Ok. Maintenant, hop. Pièce. Parloir. Une question par rapport au parloir là ici. C'est pas marqué. Ok, donc c'est juste. C'est juste du caca. Par contre, c'est pas en extérieur ça. Oh la gueule, ils m'ont fait de la merde. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai compris. Hop, vous me dégommez ça. Vous m'ouvrez. Vous mettez un mur ici. Allez, filles, on y va. Allez. Démontez-moi ça. Voilà. Tu mets un bloc ici. Et surtout une petite porte. Là. Voilà. Crac. Ça devrait être mieux comme ça maintenant. Parloir. Ok, électricité on va faire venir jusque là quand même. Crac. Ok, objet. Cabine réservée aux visiteurs. What? Oh merde. Écoute, on va partir là-dessus. Voilà. Dedans, on met un mur. Crac. À la place d'ici, on remet une porte. Une petite. Crac. Pour l'instant, on va garder le verrou ouvert. Histoire qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. Crac, la chapelle. On va y mettre... Tout ce qui fait d'elle une chapelle. Voilà. Crac. On a oublié un mur dans le fond, mais c'est pas grave. Hop, ok. Niveau électricité. Pas besoin dans les chapelles normalement. Je pense que ça va encore une case trop loin cette histoire. Enfin bon, c'est pas grave. Ok, on y va. Allez les filles, on y va, on se bouge le cul un petit peu, merde. Hop. Eh, vous l'avez déjà... D'accord. Ils l'ont déjà mis en fonctionnement et tout. Tout va bien. Hop.
Ok. Gardien, je veux qu'il y en ait un qui soit affecté ici plutôt. Hop. Déploiement. Déploiement, c'est là. Voilà. Apparemment, il y a un problème ici. Apparemment, ici, il y a un trou. Je comprends pas trop encore pourquoi, comment. Ok. Donc ici, on peut déverrouiller ça. Ok. Au niveau du régime. Du régime, temps libre, gna 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 gna. Travail enfermement, d'accord, ok. Bien. Elle est pas construite la chapelle là? Hôtel, banc d'église, tapis de prière. Ok, excuse-toi. Hôtel. Crac. Banc d'église. Je fais ça vraiment bien quand même. Je veux pas dire. Je suis un vrai dieu. Dieu, église, tout ça, vous avez vu le rapport? Ok, hop. Il m'avait dit tapis de prière aussi. Hop. Ah d'accord, c'est... Hop. Et voilà. Crac. Je peux pas faire mieux là. Je suis désolé. Hop. Bon, elle est en brique. Mais c'est pas grave. Ok. 5%. Offre le programme guidance spirituelle. Programme guidance spirituelle. C'est où? C'est là. Voilà. Là, je peux pas faire mieux, les mecs, hein. Là, je suis désolé. Pourquoi j'ai zéro réussite? Vous devrez affecter des travaux de leur emploi du temps. Ils n'auront pas le temps d'assister au programme de formation. Ça, je l'ai fait tout ça. Oula, ça c'était pas prévu. Ok. Faire travailler des prisonniers à la salle des courriers. Elle est pas assez grosse la salle des courriers ou quoi? Parce que sinon, dans ce cas-là, moi, je peux arranger le truc, hein. Hop. Voilà. Crac. Va quand même falloir des objets supplémentaires. Bureau de classement et une grande table. Hop, pièce, courrier, hop, logistique, voilà. Ok, 20 visites aux détenus, mais j'ai, peux pas faire un plus beau parloir de base, hein, donc, enfin, je vais avoir du mal à en faire un plus beau. Non mais mec, il y a deux parloirs maintenant. Au courant de ça, hein. Je veux dire, il y en a un tout là-haut aussi, hein, un parloir. Pourquoi vous tentez pas le coup? Parce que j'ai pas de milieu de truc au sol qui passe bien. Je sais pas. Mais c'est marrant parce qu'ils ont fait ce truc là ici, mais je sais pas si je peux le recopier.
Parloir, qu'est-ce qu'il faut dans un parloir? Pièce. Parloir. C'est bon normalement. On peut mettre un bureau aussi si vous voulez, mais... Pourquoi ils y vont pas les gens? Est-ce que vous avez des amis ou pas? Permettre 20 visites aux détenus pour un meilleur service de visite. Je peux pas avoir d'informations? Ah, qu'est-ce qui va pas? Là, regardez, il y a plein de gens, mais pourquoi personne vient les voir? Ah bah attendez, ça monte petit à petit. Peut-être parce qu'il faut que je leur laisse plus de temps pour qu'ils viennent les voir dans la journée. Peut-être ça, hein. On va laisser ça comme ça. Et si on passe, hop. Pas besoin de séparer les deux. Hop. Crac. Alors. Fais péter les visites. Pourquoi il y a toujours personne là-dedans? Il y en a plein là, quoi. Il y en a plein ici. Regardez, j'ai une chier de... de trucs ici, mais non. Démonter. Hop. J'ai pas de dalle en pierre qui les mène à l'endroit. C'est parti. Dalle en pierre. Y'a pas de soucis, hein. Moi je peux les faire venir les dalles en pierre. Hop. Excusez-moi si j'ai un peu bourré. Oh là là. J'avais l'impression qu'on est dans l'épisode, chers amis. 27 minutes. C'est pas passé grand chose dans celui-là. On a construit des trucs, mais je le sens pas plus que ça. Hop. Ici pareil. Crac. Hop. On est bon. J'aimerais comprendre comment ça se fait qu'il y ait si peu de monde qui vienne ici, quoi. Je crois que ça doit être juste un bug du jeu, en règle générale. Oh, c'est parce que j'ai pas d'infirmerie? Je sais pas. Regardez ça, c'est vide ici! C'est vide, c'est vide. Je comprends pas. Bon bah je sais pas. Bah écoutez, chers amis, du coup, c'est là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop!